Encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, les célébrants ont dans leur homélie lu les messages de Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, ceux exhorter les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Ce sauveur du monde, né dans une pauvreté incroyable. Devant Dieu couché dans une mangeoire, il nous faut réagir comme la Vierge Marie, elle qui conservait toutes ces choses, les méditant. Au-delà de la musique et de la fête, il nous faut, en ces temps de Noël, passer les pas à la mère de la rédemption, garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche, la lumière qui s'est levée dans les ténèbres, celle qui jaillit dans les épreuves de l'existence, pourra inspirer et féconder nos pensées et notre agir. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarné, un qui chemine avec les hommes dans leur histoire. Il prend notre condition humaine, il partage notre vie en tout, sauf les péchés. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, notre Sauveur aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons des potentialités à exploiter pour changer notre vie pour le bonheur de notre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Restons toujours dans ce chapitre. Fin de Noël, crèche et décoration qui va avec, et même la journée de ce lundi est déclarée chômée sur toute l'étendue de la RDC. Certains enfants aussi le Père Noël censé leur apporter de cadeaux de Noël, alors que la date du 25 décembre fut fixée vers l'année 300 par Rome, alors que Noël ne date pas d'hier. Quelle est la vraie historique ou la vraie histoire de cette fête religieuse? Comment elle est devenue universelle? Élément de réponse dans cette chronique de la rédaction. Depuis la nuit des temps, les chrétiens ont la fête de Noël, une fête oiseuse, à raison de la date du 25 décembre, autrefois dédiée au roi Soleil. Étant donné que tout est conventionnel dans ce monde matériel et dans sa contexte, les chrétiens ont levé l'option de faire de la date citée supra celle de la naissance du Christ, fils unique de Dieu, engendré, non pas créé. Atteint jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, il a accepté de prendre chair dans la Vierge Marie. La Bible, un livre aussi vieux que le monde, renseigne de manière on ne peut plus claire que, dès l'Ancien Testament, les prophètes, pour ne citer qu'Esaïe, a martelé sur la naissance de Jésus, sauveur du monde, qui donnera sa vie en rançon pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Dans le Nouveau Testament, Jean le Baptiste, le précurseur et le dernier des prophètes, a parlé avec insistance de la venue du Messie. Il a montré à la face du monde la supériorité de celui qui doit venir devant tout le monde en déclarant avec emphase « Ilum oportet crescere » « Il faut que le Christ croisse et que je diminue ». Dans sa fidélité divine, Dieu promettait au vieillard Siméon de voir le Messie avant d'être rappelé dans son royaume. Chose promise, chose due. Le vieillard a prophétisé sur l'enfant Jésus. Noël, Noël, Noël. Une fête invitant le chrétien à faire l'archétype de l'évangile, à cultiver la paix, l'amour, la convivialité, à l'instar du Fils de Dieu. Quand bien même les hommes de tous les temps et de partout en feraient un moment de réjouissance, ils doivent savoir qu'ils ont le devoir et la mission de gagner les âmes pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Bonne fête de Noël à tous. Les enfants de ressortissants de la RDC âgés de 0 à 14 ans étaient autour de l'ambassadeur congolais accrédité en France pour célébrer Noël. Occasion aussi de rappeler les enfants leurs origines. Joël Makela et Hussein Ndala. Noël, une opportunité pour le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo, accrédité en France, de communier avec les enfants des ressortissants congolais vivant dans ce pays de l'Europe. Il s'agit des enfants de 0 à 14 ans. Au-delà du caractère festif de cette rencontre, Émile Ngoï Kasongo veut rappeler à ses enfants
leur origine. Pour lui, l'ambassade est la maison de tous les Congolais, résidents et ceux en visite dans le territoire français. Nous avons pensé dans cette maison Congo, qui est l'ambassade de la République démocratique du Congo en France, célébrer cette fête de nativité à travers un certain nombre d'associations d'ici, des associations de la diaspora congolaise en France, réunir des enfants de 0 à 14 ans pour célébrer pour la première fois l'histoire de notre ambassade, célébrer Noël ici à l'ambassade et faire entrer ces enfants ici, les faire découvrir ce lieu qui est un lieu historique pour eux, un lieu qui représente des racines de leurs origines congolaises ici en France. Vous avez vu vous-même, vous étiez témoin, c'est un moment extraordinaire. Ces enfants, je les ai fait visiter mon bureau, ils ont pris possession de ces bureaux, ils étaient nombreux, ils ont chanté Petit Papa Noël, ils ont chanté tout un tas de chansons, ils étaient heureux, et je les ai dit que vous étiez des ambassadeurs et ambassadrices de la RDC. Ils les sont ici en France, parce que chacun d'eux représente un avenir pour les relations bilatérales entre la RDC et la France. Autre temps fort de cette cérémonie, la visite des locaux de l'ambassade avec point de chute, le bureau de l'ambassadeur Émile Ngoï. La remise des cadeaux, non seulement pour la fête de nativité, mais aussi pour immortaliser leur passage à ce lieu historique. Les invités du diplomate congolais en poste à Paris ont dégusté quelques spécialités culinaires de la République démocratique du Congo. La rumba congolaise au rendez-vous afin d'agrémenter cette rencontre, une première dans l'histoire de l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. Les orphelins du centre Paola Consolata de Kajavubu vont célébrer, comme tous les autres enfants, la fête de nativité de Jésus-Christ. Ils ont été dotés d'un lot important de vivre et non vivre. Serge Merlamata. Sur l'avenue Boussou Jeannot, à Kajavubu, les pensionnaires et personnels de l'orphelinat Paola Consolata et aussi n'ont pas été oubliés. Conduite par sa directrice générale, Madim Boya, l'équipe de l'établissement Mwinda les rapportait des matelas, sacs de riz et des maïs, sachets de sucre et des diaming, draps, cartons de thé et des bouteilles de mayonnaise, sachets de lait en poudre et bidons de jus, bidons d'huile, papier hygiénique, lait de beauté et autres savons de toilette qui ont été mis à la disposition de ces enfants orphelins. Ces derniers les ont reçus avec satisfaction. La joie était immense. Émis par ces gestes de générosité, Laetitia Ntumba Chimanga, responsable de l'orphelinat Paola Consolata, a eu les mots justes pour saluer les soutiens remarquables de cet organisme. Quand ici, nous n'avons pas de soutien de l'État, je suis très très émue de voir tout ce que vous avez amené aux enfants, surtout le matin, ils vont bien dormir. Je vous remercie. Cette activité a été initiée le but de permettre à ces enfants orphelins de passer d'agréables fêtes de fin d'année, a expliqué la directrice générale de l'établissement Mwinda, Madim Boya. Nous avons voulu, toujours dans le cadre social, accompagner les orphelins, connaître leurs besoins, voir comment les aider, les accompagner. Cette action sociale s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale de l'industrie Mwinda, consistant à intervenir et à contribuer au bien-être de la population congolaise vulnérable. C'est un ouf de soulagement pour les orphelins et veuves du Kasaï central. La Caisse nationale de la sécurité sociale a procédé à une remise d'un important lot de vivres et non-vivres pour leur permettre de fêter lors de Edichala. Ces vivres et non-vivres, dont de la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale que dirige Charles Moudjahi Kazadi, sont destinés aux orphelins, personnes de troisième âge, hébergées dans des structures bien connues, ainsi que des détenus de la prison centrale de Kananga. Une forte équipe de la direction provinciale de la CNSS, tenue de main de maître par Emmanuel Mwamba, directeur provincial, a fait la ronde dans plusieurs orphelinats et hospices de vieillards pour remettre ce paquet, afin que ce dernier passe en bonne et due forme la fête de Noël et de la Saint-Sylvestre. Emmanuel Mwamba, directeur provincial de la CNSS, parle de ses gestes. Le directeur général, dans sa politique managériale, met aussi beaucoup plus d'accent sur l'assistance aux orphelins, aux hospices. Donc c'est en tant que
Une institution de sécurité sociale, c'est dans l'aspect social que M. le DG accompagne le paiement des prestations sociales avec des actions sociales. Occasion faisant des larrons, Emmanuel Mwamba remercie tout en conscientisant en ces termes. Ceux qui s'acquittent déjà bien dans la déclaration et versement des cotisations sociales, nous les remercions et nous leur souhaitons d'emblée une joyeuse fête de Noël et de Nouvel An. Et nous recommandons à ceux qui n'ont pas la culture de la sécurité sociale de bien s'affilier, de bien immatriculer leurs travailleurs et de bien payer les cotisations. Acte pas moindre, salué par le bénéficiaire direct et indirect qui remercie de vive voix les donateurs, qui est la CNSS. Nous voulons dire un grand merci au directeur CNSS et son équipe pour avoir pensé aussi aux enfants marginalisés. Je pense qu'ils vont s'en sentir aussi à l'aise. Ils vont aussi bien fêter. En tout cas, nous vous disons un grand merci. En tout cas, nous vous remercions que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute des plus sur le fait que vous avez. Il faut noter que la CNSS, dans son volet social, remet ses biens aux démunis à chaque fin d'année. Allez, on change carrément de chapitre. La Commission électorale nationale indépendante a procédé hier à la publication partielle de résultats de la présidentielle de 2023. Ajoutée à la diaspora, 23 circonscriptions électorales ont donné la première tendance au niveau national. L'actuel chef de l'État reste en tête, suivi de Moïse Katumbi et Martin Fayulu-Madidia. Un résumé d'Edichala. Après la publication des résultats de la diaspora, les résultats partiels de l'élection présidentielle de 23 conscriptions électorales dans différentes provinces du pays ont été rendus publics dimanche. Une voie choisie par la Commission électorale nationale indépendante pour plus de transparence dans la compilation des résultats. Une publication progressive qui permet à tout candidat à la présidentielle de voir l'évolution de son score et au peuple de positionner son champion. De l'avis de la rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Seya, il est possible que cette compilation soit terminée avant le 31 décembre 2023, date prévue pour la publication des résultats provisoires. Pour un peu plus d'un million de votes exprimés et compilés par la CENI, Félix-Antoine Tshisekedi est en avance devant Moïse Katumbi, qui est suivi à la surprise générale par le candidat Radjabo. Ce ne sont que les premières tendances, car dans plusieurs circonscriptions électorales, la compilation n'est pas terminée. Cette publication partielle se poursuivra jour après jour et circonscription après circonscription, afin de dissiper toute obscurité sur les résultats. Les adeptes de l'affichage des résultats bureau par bureau se trouvent ainsi bien servis. À l'allure où vont les choses, chaque Congolais a la possibilité de garder des repères pour les résultats provisoires et les contester s'il a des preuves du contraire. Et puis, cette mise en garde de forces armées de la RDC, le FARDC, met en garde certaines chaînes de télévision qui s'aventuraient à diffuser des informations susceptibles de diviser ou de déstabiliser les éléments de l'armée nationale. On écoute à ces sujets le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC. Depuis un certain temps, Mota Télévision et certains autres médias à la solde de l'ennemi diffuse des informations montées de toutes pièces par ces derniers pour déstabiliser, démoraliser et diviser l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en rappelant le caractère apolitique de l'armée, demande à ces médias de s'abstenir d'intoxiquer les militaires et de mêler les FARDC à des fins politiciennes. Si cette situation persiste, les forces armées de la République démocratique du Congo s'estiment dans le droit de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre à tous les militaires de continuer de remplir loyalement leurs devoirs régalien et à l'opinion d'éviter de prêter attention aux informations distribuées par ces médias complices des ennemis de notre pays, destinés à distraire le peuple congolais et son armée. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de la maison militaire du chef de l'État et toutes les autorités militaires de notre pays assument
avec responsabilité, chacun dans sa sphère d'action, les charges leur confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Partons à présent à la rencontre de l'ambassadeur de la RDC accrédité en France à travers cette exclusivité accordée à la RTNC. Ces diplomates congolais saluent le score de vote congolais de la diaspora et plus spécialement ceux de la France. Il est au micro de Joël Makela, notre envoyé spécial à Paris. Au-delà d'être une première pour les Congolais de l'étranger, la présidentielle du 20 décembre est historique pour la diaspora de la RDC vivant en France. C'est en ces termes que l'ambassadeur congolais en poste à Paris, Émile Ngoï Kasongo, a ainsi exprimé sa satisfaction concernant ce scrutin. La CENI a publié les résultats des élections, les résultats encore provisoires des élections dans les cinq pays de la diaspora où s'est tenu pour la première fois dans l'histoire. Alors, les leçons que j'ai retiens premièrement, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, avec le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris un défi, qui a pris un challenge de faire organiser dans quelques pays, notamment en Occident, la Belgique, la France, également les États-Unis et le Canada, sans compter aussi l'Afrique du Sud, en ce qui concerne l'Afrique. Et donc il y a eu des élections, nos compatriotes congolais ont été invités à exercer leurs droits civiques, c'est-à-dire de pouvoir se choisir librement le futur président de la République démocratique du Congo. Au terme de ces élections, qui se sont passées ici à Paris dans une ambiance de quiétude, de calme, dans une ambiance bon enfant, c'était des moments de retrouvailles. J'ai vu des amis témoignants disant, tiens, ça fait une année, je n'ai pas rencontré celui-là ou celle-là, et tout de suite. Donc il y avait une convivialité extraordinaire. Généralement, on dit, c'est la communauté, il y a beaucoup de combattants, et ainsi de suite. Je crois que les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Et donc, le 20 décembre, pour nous ici, dans la communauté de la diaspora congolaise en France, le 20 décembre restera un jour historique. Un jour historique pour nous, il aurait pu rester tellement pour nous, mais étant donné que nous avons réalisé, notamment avec le candidat président de la République sortant, et qui a les chances d'être aussi candidat en France, effectivement, nous avons réalisé les plus beaux scores. Nous avons réalisé les plus beaux scores du candidat qui a été le mieux voté dans les cinq unités de circonscription électorale. Avec la participation des patriotes de l'étranger à l'élection présidentielle, la République démocratique du Congo pose les jalons pour le scrutin à tous les niveaux. À Kinshasa, le bourgmestre de la commune de Lancele salue l'élan démocratique manifesté lors des élections du 20 décembre 2023 par la population congolaise. Franck Kombo appelle par ailleurs les uns et les autres à la retenue pour consolider les acquis tels que la gratuité de l'éducation de base, la gratuité de la maternité et le programme de développement à la base de 145 territoires. Alain Bikaï. Satisfait du bon déroulement des élections le 20 décembre dernier dans sa municipalité, le bourgmestre de la commune de Lancele, Franck Motsolamiso, salue l'élan démocratique manifesté par la population congolaise pour voter les dirigeants des cinq prochaines années. L'année qui s'achève a été marquée dans notre pays par des activités politiques intenses, parachevées par la tenue des élections générales le mercredi 20 décembre 2023. Ces scrutins ont été pour nous une excellente occasion de communiquer avec nos populations qui ont décidé de renouveler leur confiance à notre endroit. Pour cela, vous avez massivement voté pour le numéro 20. À cet effet, Franck Motsolamiso appelle à la retenir et présente ses vœux les meilleurs à la population congolaise. Après avoir accompli avec succès votre devoir citoyen, je vous invite tous à la paix en attendant la publication officielle des résultats par la Commission électorale nationale indépendante ainsi que le CENI, seul organe attitré pour la publication des résultats provisoires. Je tiens à vous exprimer
mes vœux de joyeuses fêtes de Noël et de nouvel an 2024. Les Congolais doivent consolider les acquis des 5 dernières années. Dans un autre registre, les images de son agression ont fait le tour de réseaux sociaux et suscité même l'indignation de toute une communauté face à cette barbarie due à l'intolérance de femmes. OPS commise dans un bureau de vote, victime de coups et blessures volontaires par un groupe de jeunes, sera prise en charge par la ministre provinciale du genre, famille et enfants au Kassai. Affectueusement appelé maman sociale, Denise Moulukamu-Andi, ministre provinciale de genre, est sortie samedi sous une forte pluie battante au fin de voler au secours à la dame Katwena Abeti, victime d'une barbarie jamais vue de la part d'un groupe de jeunes qui se trouvait à l'épée Toakadi-Sangade où la pauvreté commise comme OPS dans un bureau de vote. Le seul péché commis par elle, c'est le fait d'avoir dit à ceux qui étaient venus voter que la machine à voter qu'elle avait était tombée en panne. J'étais commise comme OPS dans les bureaux de vote. À l'épée Toakadi-Sangade, ma machine était tombée en panne. Alors lorsque j'essayais d'expliquer à ceux qui étaient venus voter, ils m'ont tabassé, ils m'ont déshabillé, ils m'ont même touché. Le même organe sexuel. Et je saigne abondamment. Acte que Madame Denise Moulukamu-Andi condamne de vive voix. De passer à des actes de vandalisme et de toucher une femme dans son intimité pour lui sortir sa matrice. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Je suis en train de faire le rond de la ville pour voir toutes les victimes, pour pouvoir les amener à l'hôpital et de prendre soin d'elles. Il y a un qui coule, on l'amène à l'hôpital pour faire le traitement. Mais en tout cas, je demande à la population, si encore une autre femme qui a subi de telles atrocités, qu'elle ne puisse pas rester calme, qu'elle vienne chez nous et qu'on puisse la prendre en charge en attendant les enquêtes pour que tous ceux et celles, parce qu'il y a des vidéos qui circulent, qui ont participé à ce genre de comportement, puissent être punis. Pour l'heure, la pauvre Katwena Abeti est prise en charge pour les soins appropriés à l'hôpital général de référence de Kansala avec l'assistance financière de Denise Moulukamu-Andi. Et puis ces titres avant de nous quitter, la mise en place de cette action allégera peut-être leur peine. Les victimes des atrocités du phénomène Kamenan Sapou vont être identifiées pour une prise en charge grâce au FONARE. Franklin Kierkalombo. Plus de 80 personnes prennent part ce jour à Tchikapa au colloque de restitution du forum sur l'identification des victimes et de l'écosystème. Cette restitution est faite ici par Madame Julie Ochano, coordonnatrice de l'ONG Binadam en action, qui a participé à Kinshasa au premier forum organisé par le Fonds national de réparation des victimes liées aux conflits armés, aux crimes contre la paix et l'humanité. C'est la restitution du forum national IVE, c'est-à-dire identification de victimes et de l'écosystème. C'était un atelier national qui a été organisé par le Fonds national de réparation des victimes des violences liées aux conflits armés, des victimes de la paix et des victimes contre des crimes contre l'humanité. L'objectif, c'est qu'il y aura un travail que le FONAREV va opérationnaliser dans des provinces ciblées, c'est-à-dire identifier les victimes des crimes liés aux des crimes contre l'humanité et contre la paix et aussi des victimes des conflits armés. Et il sera aussi question d'identifier les écosystèmes, c'est-à-dire les vraies structures de la société civile à la base qui accompagnent les victimes. Le message, c'est de dire merci au président de la République pour la création et le financement du FONAREV. Notons que la grande partie de ceux qui prennent part à ces colloques sont essentiellement les victimes ayant subi les violences et atrocités pendant la triste période des conflits de Kamenan Sapou dans l'espace Kassai.
Voilà tout pour cette édition. C'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Abobom, Koumina Sedouga, réalisé par Patrick Bapuila et Jonathan Mbalama, assisté de Lulaï Tien Zengele Basosa, Makao Elmat, Isabelle Betoy. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. À très bientôt.